Carino B. Yeah, 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 yeah. Samedi on the beat. Ah, bonjour. Bonjour. Les jeunes, ça va? Ça va. Et le temps là, ça évolue très bien. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous pour vous? Ah, c'est nous les répétiteurs que vous avez contactés. Répétiteurs? Mais j'ai appelé une personne. Non, c'est mon adjoint. Ah, c'est ton adjoint? C'est mon adjoint. Bon, d'accord. Maintenant, vous faites quelle matière? Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Ce que vous cherchez pour votre fille. Ah bon? Oui. La mathématique. La mathématique. C'est ça. Ah, merci. Merci beaucoup, les jeunes là, vous êtes bons. Gloria. Papa. Viens, 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 viens. Voilà Gloria. Comment tu vas? Ça va bien. Et le coup? Ça va. Ah, c'est très bien. 1 fois 1 égal à 1. Oh, son niveau est vraiment gâté. Ouais. Voilà. Elle a un niveau un peu faible. On va régler ça. On va régler, voilà. On va régler. Voilà. Son niveau est bas. 1 fois 1. Bon, c'est gâté. Donc, et Gloria. Et prépare-toi. Le mercredi prochain, on sera là. Et les jeunes, oui. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci. Vous me rendez un grand service. Oh, wow. Merci. Mon nom, mon nom, mon nom, Bodo kanho e choye kodo akam akam. E do mocho me de le mondo nye do vivim. Swaga je we konose me de le do susim. Susim demiko jamiko. We masiko donzo te do do demiko jamiko. Quel que soit vos critiques c'est zéro demiko jamiko. We masiko donzo te do do demiko jamiko. Quel que soit vos critiques, c'est zéro. Alors, alors Gloria, ça va? Bonjour. Papa est où? Papa est à la maison. Il fait quoi? Il dort. Oh. Qui a préparé ça? C'est maman. Ça reste. Ça reste? Non. Ça ne reste pas. Ça ne reste pas. Tu as étudié avec nous et tu manges. Tu ne sais pas que tu as besoin d'un esprit affamé pour développer la mathématique dans ta tête. Et moi, nous on a étudié avec toi et ton père dort. Ce repas-là qui lutte contre la mathématique dans la tête des enfants. Ça va diminuer ton esprit critique. Tu as compris? Résolument, tu dois apprendre à te concentrer. Ce n'est même pas la bonne qualité. Tu vois lui là? Ce n'est pas la bonne qualité. Bon, Gloria, tu prends siège. Et sans plus tarder, nous allons commencer les bonnes choses. Monsieur l'adjoint. Oui, monsieur. Faites-lui la technique dépravée de la mathématique unièmement résolue au premier degré. À vos ordres. Faut qu'elle comprenne. Gloria, la mathématique vient du latin mathematica, qui signifie mathématique. Tu es dans quelle école? C'est privé ou bien public? Privé. Je vais te faire alors une mathématique privée. Un triangle est égal à un carré. Hein? Ce qui est égal à un cercle. Et le centre du cercle est appelé... Monsieur, c'est le... L'hypoténuse. L'hypoténuse. Tu as entendu? L'hypoténuse. Tu sais? Oui, maître. Monsieur, et vous pouvez me relayer? Vous avez déjà appris le domaine de définition? Non. Vous allez apprendre ça dans un mois. Donc, on disait qu'un triangle peut être égal à un carré, peut être égal à un cercle et tout peut être égal à un rectangle. Tu comprends pourquoi? Non. Parce que lorsque tu prends un triangle, si tu tires un peu de ce côté, tu tires un peu de ce côté, tu tires encore, tu tires, ça va former un cercle. Et c'est ce cercle qu'on appelle foyer népérien. Tu as compris? Oui, maître. Le foyer du cercle tiré, c'est ça qu'on appelle cercle népérien. C'est ça. Cercle népérien. C'est ça. Et la valeur absolue du cercle népérien, c'est pi, non? Ce n'est pas pi.
Mais c'est pire, 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 pire. Papa, on a tout essayé, mais ça n'a rien donné. L'enfant ne croit, l'enfant ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Vous allez nous donner avance et on va quitter ici. On va quitter. Votre enfant ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien, moi je ne peux pas. Donc, vous les deux guignols là, c'est étude, vous faites comme ça. Votre enfant ne connaît rien. Toi, je ne peux pas rester dans ça là. Pourquoi? Tu penses que moi je n'ai pas faim là? Et dis à zéro, zéro, zéro. N'enlève pas moi.